There is a planet on the other side of the ring. A group of Belta refugees has claimed it as their home. A UN ship was sent to control the situation. The mission did not go as planned. I need to know what is really going on over there. I saw the news, you're heading to the ring. We're going to make sure it's safe. And if it is another Eros? Evacuate the Belters and get the hell out of there. Welcome to New Terra. Holy. That's proto-molecule tech. The artifacts on this planet are waking up. Jesus Christ. Salut à toutes et à tous, je suis Lucien Maine, acteur, réalisateur, auteur. Alors j'ai voulu commencer ce petit calendrier de l'Avent en vous parlant de la série The Expanse. C'est pas qu'une série, c'est adapté d'une série de livres par un auteur qui s'appelle James S. A. Corey. Je dis un auteur, mais en fait c'est deux auteurs, c'est un pseudonyme de plume. C'est des gars qui s'appellent Daniel Abraham et Ty Frank, qui sont des auteurs américains, et qui ont très bien travaillé puisqu'ils ont quand même créé un contexte très très fouillé et très intelligent pour créer leur histoire. Donc The Expanse, ça se passe au 23e siècle, alors que le système solaire est entièrement colonisé, puisqu'on a tout découvert des moyens de voyager dans l'espace de manière assez efficace pour pouvoir coloniser, transporter des gens. Et il y a trois grandes puissances. Il y a la Terre, qui est en train de vivoter, évidemment, on a surexploité les ressources et il y a des gros problèmes, mais c'est toujours la caste dominante, puisque les gens les plus puissants et les plus riches vivent ici. C'est dirigé par les Nations Unies, la Terre, encore. C'est un endroit qui est... impérialiste, hein, on peut le dire comme ça. Il y a une deuxième puissance qui est Mars, qui est une planète qui est très avancée technologiquement et militairement. Voilà, ils sont très puissants, comme le laisse suggérer le nom, hein, c'est Martial, quoi. Et donc ils ont un congrès, ils ont pris leur indépendance vis-à-vis de la Terre. Et il y a des petites tensions, hein, on vous cache pas qu'il y a des petites tensions. Et enfin il y a une dernière puissance, même si c'est la moins puissante, les colonies de la ceinture d'astéroïdes. En fait il y a ce qu'on appelle l'Alliance des planètes extérieures, qui est un mouvement indépendantiste et qui a un petit peu la main mise en sous-marin sur la ceinture d'astéroïdes. Donc dans cette ceinture d'astéroïdes, il y a des gens qui vivent, et évidemment ils sont pas forcément extrêmement bien traités par la Terre. Ils sont surexploités par les Nations Unies et par les puissances qui restent sur la Terre. Donc voilà, il y a une grosse tension de départ en termes de géopolitique dans le monde de The Expanse. Et c'est dans ce contexte-là que démarre l'histoire. Et en fait, il y a deux histoires en parallèle. D'un côté, il y a un cargo d'exploitation minière. Ils minent de la glace, je crois, tout simplement, au départ de l'histoire. Et ce cargo, cet énorme cargo d'exploitation minière, se fait déglinguer par un vaisseau mystérieux qui sort de nulle part. On comprend pas, on sait pas pourquoi. Il y a des survivants dans ce cargo, qui s'appelle le Canterbury, notamment James Holden, qui est le personnage principal de The Expanse, avec sa seconde et une partie de son équipage, qui survivent à cette tragédie et qui arrivent à s'en sortir, mais qui vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment ça se fait que leur vaisseau, qui était tout simplement un vaisseau d'ouvriers, s'est fait attaquer comme ça. Et le deuxième axe, c'est un flic, un petit peu sur le retour, un inspecteur, un mec qui s'appelle Miller, qui est l'archétype parfait de l'anti-héros, un petit peu sur le retour, qui a plus beaucoup d'attaches, qui est à moitié alcoolique et qui a plus rien à perdre quasiment. Et on le lance sur une investigation un peu particulière, puisque c'est
la fille d'un très puissant industriel terrien qui s'appelle Jules Pierre Mao, qui pue le mec complètement pourri. Hein. On verra comment ça se développe ensuite dans l'histoire, mais en tout cas sa fille a disparu. Et on découvrira au fur et à mesure que sa fille c'était un peu la rebelle de la famille et qu'elle a beau être la fille aînée de ce puissant industriel très très riche, elle avait peut-être des idées un peu de gauche et qui n'allaient pas trop dans les rails de la pensée familiale, surtout de son père. Et donc, voilà, Miller se lance sur cette investigation, comment elle a disparu, et puis essaye de la retrouver. Et au fil des épisodes et de l'avancée de ces investigations parallèles, eh ben les deux pistes vont se rejoindre. Et on va comprendre qu'il y a un point commun qui est mystérieux et extrêmement préoccupant. Donc ça, c'est un peu le point de départ de The Expanse. Et c'est super, voilà. J'adore cette série parce que ça mêle la science-fiction. De la vraie science-fiction, parce que je trouve que la science est relativement crédible. Après, je suis pas du tout un spécialiste, mais en tout cas, à mon degré, moi, j'ai trouvé tout relativement crédible. Et voilà, je me dis, ah, peut-être que dans un futur pas si éloigné, bon, on pourrait voir ça. Ça mêle donc de la science-fiction à un vrai polar, à une vraie enquête mystérieuse avec des complications et des mystères mystérieux. Et c'est vraiment très très cool. L'humeur est vraiment cool. Et je trouve que le monde qu'ils ont créé, la géopolitique que les auteurs ont imaginé pour ce contexte, est vraiment bien. Je trouve ça, encore une fois, assez crédible. Ils ont créé un langage particulier, enfin un créole, ils appellent ça le créole des ceinturiens, des gens qui vivent sur la ceinture d'astéroïdes, et qui sont un petit peu vraiment les gens qui se font exploiter par les terriens. Leur condition est vraiment difficile, donc il y a des mouvements un petit peu rebelles qui essayent de s'organiser, qui essayent d'avoir des velléités indépendantistes, etc., etc. De l'autre côté, il y a Mars, qui est devenue indépendante depuis quelques temps et qui essaye de se placer sur l'échiquier géopolitique et de prendre vraiment, réellement son indépendance vis-à-vis de la Terre et des Nations Unies. Et il y a une tension palpable entre les différentes forces. Et voilà. Donc c'est fouillé, c'est intelligent, ça tient debout. C'est vraiment cool et l'ambiance est super. Et évidemment, ça reste de la science-fiction, donc il y a des éléments qui peuvent nous amener vers des trucs fiction, où il y a peut-être un peu des trucs magiques ou technologiques bizarres ou aliens ou étranges. C'est vraiment un bel équilibre, je trouve que ça fonctionne très très bien, surtout au début. Moi, je dois reconnaître que j'ai beaucoup moins accroché aux saisons récentes, ou ça, enfin au livre même récent, parce qu'en fait les livres j'ai arrêté de les lire, j'ai lu les trois premiers tomes et j'ai adoré, mais à partir du quatrième j'ai trouvé ça un peu chiant parce que on dépasse le contexte que je trouve intéressant. Voilà, c'est quand on est un petit peu plus proche de les Avengers qui doivent sauver l'univers que de Spider-Man qui essaye de botter le cul des brigands de son quartier, je trouve que Spider-Man, c'est plus intéressant que les Avengers. Eh ben, pareil, dans The X-Men. En fait, je trouve que c'est plus intéressant quand ils sont dans des échelles plus resserrées que à sauver l'intégralité du cosmos, quoi. J'exagère, hein. Et j'essaye de pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler les gens qui n'ont pas encore vu. Voilà, c'est ma recommandation. Et enfin, pour la petite promo, nous allons faire la finale de la saison 2 de La Bonne Auberge, les aventures, sur Twitch, de Donjons et Dragons. Donc c'est la fin de la saison 2 de La Bonne Auberge et on a décidé de le faire en public. Et pas seulement en public puisque ce sera aussi sur Twitch. Donc ça se passe le dimanche 12 décembre 2021 sur Twitch à 19h, twitch.tv/labonneaubergejdr. On vous réserve tout un tas de petites surprises et de mises en scène sympas. J'espère que ça va vous plaire et en tout cas moi je prépare les choses pour que ce soit le plus épique, stimulant possible pour faire un beau final en feu d'artifice pour cette deuxième saison de La Bonne Auberge avant de poursuivre les aventures dans la saison 3. Merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite un très bon mois de fête et portez-vous bien. Someday I think you and I are gonna end up bloody. I'm free right now. Lucien Maine est auteur, acteur et réalisateur. Si vous avez pu le découvrir dans la série Bref ou encore divers courts-métrages de la chaîne YouTube Golden Moustache, c'est en tant qu'animateur, ou devrais-je plutôt dire Dungeon Master, qu'il brille aujourd'hui. Créateur de la chaîne YouTube Le Bon Nerd, consacrée aux jeux de plateau, de rôle et de figurines,
Il y anime une fois par mois, avec brio et en direct sur Twitch, l'émission La Bonne Auberge, une campagne de jeux de rôle Donjons et Dragons sur Pandoc, un univers qu'il a lui-même créé. Si vous aimez la fantasy et avez l'envie de découvrir le jeu de rôle en compagnie d'un maître du jeu inspiré, n'hésitez pas à suivre Lucien et La Bonne Auberge grâce au lien présent dans la description, vous ne le regretterez pas.